Les médias et le cinéma ce matin, puisqu'on a l'honneur immense avec Gilles Gansman de recevoir Bertrand Tavernier dans un instant. Et on va le saluer tout de suite d'ailleurs. Tiens Gilles, bonjour Monsieur Tavernier. Je dis Monsieur Tavernier et je vais vous dire pourquoi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci infiniment d'être là. Exactement. D'autant plus, c'est ce que je racontais à Gilles Gansman, c'est que quand j'étais toute jeune journaliste sur une chaîne de télévision du côté de Besançon, vous étiez un des premiers réalisateurs que j'interviewais juste à la sortie de l'école pour, à l'époque, ce qu'on appelait faire 3. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'avait marqué, cette rencontre avec vous. On est ravis de vous recevoir. On va parler avec vous dans un instant de ces trois vies de cinéma, puisqu'on vous a réunis avec Patrice Lecomte, avec Bertrand Blier, les deux Bernard, comme vous vous appelez, dans ce documentaire qui est à voir sur Ciné Plus Émotion, où vous parlez, vous confrontez... Oui, tout à fait. Bertrand, Bertrand, pardon. Et c'est effectivement c'est touchant, c'est savoureux. On va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien, Bertrand Tavernier. Mais pour l'instant, on va avoir avec Gilles Gansman, on a deux, trois choses à décortiquer, notamment la question du jour qui va être posée sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter. La question du jour, elle concerne la 5G. Aujourd'hui est lancée la 5G. Alors, on est tout média, vous savez, aussi technologie. Et aujourd'hui, avec Orange, par exemple, et bientôt Free, vous allez pouvoir accéder à la 5G. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut changer de téléphone. Bah oui, madame. Alors, est-ce que vous êtes tenté par un téléphone 5G? Est-ce que vous allez vous faire ce petit cadeau à Noël? Eh bien, nos auditeurs, c'est oui à 24%, non à 76% pour l'instant. Et ça commence à voter. On vient juste de mettre la question en ligne. Vous, Bertrand Tavernier, vous avez un téléphone portable, vous êtes sensible... Je ne change pas de téléphone. Je ne change pas de téléphone. Là, je fais le moins en moins. Si j'en avais voulu, j'en serais resté au modèle primitif. Moi, j'ai besoin que d'un téléphone pour téléphoner, pas pour moudre le café, pas pour les 174 autres applications. J'ai pas besoin de boussole, j'ai pas besoin de... Voilà, donc... Mais je m'en sers pour téléphoner et envoyer des textos et des mails, c'est très bien. Voilà. Ouais. Si je regarde Capitaine Conan sur mon portable, vous m'en voulez ou pas? Vous trouvez que c'est un crime? Non, pas du tout. Ah, je peux alors? Oui, allez-y. Ouais. Alors oui, ce débat sur la 5G, pareil, j'ai été voir des maires dans les petites communes du fin fond des Pyrénées et certains sont ravis d'avoir seulement la 4G, et quand on leur demande ce qu'ils pensent du débat sur la 5G... Il y a toute une partie de la France qui n'est pas encore équipée déjà, qui n'a même pas... qui ne reçoit rien, qui n'a pas de réseau. Donc avant qu'on s'occupe des gens qui sont là, je trouve que on met la charrue avant les bœufs, qu'on s'occupe de ce qui est accessoire avant ce qui est important. On est déjà en train de penser à des trucs très très sophistiqués quand il y a une partie des gens, un, qui ne sont pas formés, qui refusent Internet, qui ne veulent pas du tout s'y conformer. Et qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens-là? Que ça oblige pour des déclarations d'impôts, pour payer pour les trucs, ça va leur pourrir la vie, ça va augmenter l'espèce de ressentiment qu'il y a contre un pouvoir aveugle. Il faut d'abord qu'on s'occupe de gérer des choses comme ça, puis après quand on aura fait l'éducation d'une grande partie de ces gens-là, et puis surtout qu'on aura pourvu les régions d'un véritable réseau. Là, c'est malin de dire tout vous devriez utiliser que là. Si vous n'avez pas de réseau, comment vous faites? Est-ce que ce sont les technologies qui vous font peur ou vous dites on n'en a pas absolument besoin? C'est quoi le... Non, on n'en a pas. Il y a des tas de choses qui sont du luxe superflu. Il faut arrêter là maintenant. On peut se débrouiller très très bien avec des portables de deux ou trois générations d'avant. Je ne suis pas sûr qu'à chaque fois ce soit un progrès. On va passer au zapping et c'est intéressant tout ça. Absolument, absolument, Gilles. C'est parti pour le zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Alors, je ne sais pas, Bertrand, Christine, si vous avez regardé hier, mais c'était le coup média de France Télévisions hier soir avec l'interview exclusive de Barack Obama qui a frôlé les 6 millions sur France 2, un vrai carton d'audience. Il y a eu une pointe à 8h45, à 6 millions. C'était à l'occasion de la sortie de son livre. Et vous allez voir que Barack Obama regrette aujourd'hui qu'on donne plus d'importance au bruit plutôt qu'à la pensée. Nous sommes devenus une culture beaucoup plus visuelle, qui pense en termes de spectacle, de bruit, de conflit, parce que ça fait toujours de la bonne télévision. Alors que, bon, soyons réalistes, le débat, l'empathie, l'écoute ne sont pas toujours aussi passionnants à la télévision. Alors je ne résiste pas, Bertrand Tavernier, à vous demander si vous avez suivi ce débat de la présidentielle américaine. Ah, j'ai suivi la présidentielle américaine et je trouve que ce que j'entends d'Obama, je trouve que c'est intelligent, comme toujours, comme très souvent ce qu'il dit. Ça nous change de l'autre, l'ancien locataire, là, celui qui veut pas partir, là, celui qui s'accroche au rideau. Là. Ça ferait pas un bon personnage de film? Il l'est déjà lui-même. Enfin, c'est très très difficile. Il est déjà tellement une caricature de lui-même que c'est difficile d'imaginer un en tous les cas, oui, un personnage haut en couleur, certainement. Hier, à l'Assemblée nationale, Jean Castex a ouvert une petite porte, toute petite, à l'ouverture des commerces au 1er décembre. Avec des protocoles améliorés, des gestions de flux, etc. Parce qu'on sera passé à une deuxième phase, parce que les indicateurs épidémiques se seront améliorés, on pourra effectivement envisager de rouvrir les commerces qui ne sont pas de première nécessité. On verra si le parce que devient une vraie règle. Oui, on va en débattre tout à l'heure avec vous. Tout à l'heure. Oui, il y a un gros sujet là. Mmh. Ah, mais alors, bonne nouvelle donc peut-être pour nos commerçants et peut-être une mauvaise nouvelle pour Amazon, car pour Mathieu Orphelin, c'était sur BFM, Mathieu Orphelin qui est d'Écologie Les Verts, et bien pour lui, ne croyez pas le marchand américain qui aide le commerce français, contrairement aux pubs que vous pouvez voir en ce moment. Aujourd'hui, il y a une campagne de communication monstrueuse, des moyens énormes, des spots de publicité, des directeurs qui viennent donner des chiffres dont on peut discuter, parce que, par exemple, sur Amazon.fr, moins de 5% des vendeurs en ligne sont français. La moitié des vendeurs en ligne qui sont sur Amazon.fr sont des vendeurs chinois. Donc on voit bien que leur discours de dire on est là pour aider les petits commerçants français, ça tient pas la route. Donc il y a quelques entreprises qui vendent sur Amazon, mais globalement Amazon ne fait aucun cadeau. Amazon ne fait aucun cadeau. Vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai une petite question à Monsieur Tavernier quand même pour ce débat-là. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période de confinement? Ça, c'est sûr, ils ne payent pas d'impôts en France et tout ça, bien sûr. Parce que les plateformes de cinéma, c'est pas... Oui. Comment vous voyez cette période de fermeture de ce qu'on appelle les magasins non essentiels? Ça a été fait n'importe comment. C'est-à-dire que là, une fois de plus, comme le premier confinement, on n'a pas profité pour former, ajouter du personnel, travailler, renforcer les moyens. On a l'impression qu'on n'a pas fait ça. Ou en tous les cas, si on l'a fait, on n'a pas su le montrer qu'on l'avait fait. Parce qu'on a l'impression que les choses n'ont pas bougé. Qu'il y avait encore des directives qui couraient en sous-main, comme quoi il fallait fermer des lits dans les hôpitaux encore au milieu du premier confinement. Donc, comme si on n'avait pas réalisé la gravité de la situation. Voilà, donc je trouve qu'on a fait les choses à l'envers. La fermeture des librairies, c'est une absurdité. Moi, j'assiste à des endroits où les gens sont les uns collés aux autres sans masque, dans énormément de petits restaurants, de petits trucs comme ça. Et par contre, dans les librairies, dans des endroits qui sont protégés, comme les théâtres, etc., c'est fermé. Alors que c'était beaucoup plus sauf. Je trouve que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Christine. Alors Christine et Bertrand, j'ai un son pour vous, je l'ai choisi pour vous, Monsieur Tavernier. C'est un autre géant américain qui bénéficie de cette crise, c'est Netflix, qui récupère les films qui ne peuvent pas sortir en salle. Et aujourd'hui, le dernier en date, c'est un film d'Olivier Marchal. Mais vous allez peut-être surpris parce qu'Olivier Marchal, lui, il est très content et satisfait que son film arrive sur Netflix. Je vous ferai réagir après.
Des voyous, des flics, parfois ripoux, et une bonne guerre entre eux. Film policier efficace, Bronx fait partie des programmes les plus vus en ce moment sur Netflix. Initialement, il devait sortir en salle. Pas de déception pour autant. D'être distribué dans le monde entier. Moi, c'est la première fois qu'il y a une visibilité énorme. Moi, j'ai déjà des producteurs américains qui m'ont contacté. Je suis très flatté. Olivier Marchal, un réalisateur de plus tombé dans l'escarcelle des plateformes. Mulan, le nouveau Pixar ou encore Brutus versus César. Ces films devaient être projetés au cinéma. Ils débarquent directement dans nos salons. Est-ce qu'il ne va pas y avoir Olivier Marchal ? Est-ce que oui, Bertrand Tavernier ? Pardon ? Est-ce que vous comprenez Olivier Marchal ? Est-ce que vous comprenez Olivier Marchal qui se félicite que son film... Je comprends. C'est une manière de faire voir son film. Pourquoi ? Comme Alfonso Cuarón, comme Scorsese, à partir d'un moment, il ressort à Netflix. C'est pas... au fond de lui-même, je pense qu'il serait content si ça pouvait sortir en salle. Mais là, il est obligé de composer. Il faut mieux ça, il faut mieux que son film soit vu que pas du tout. Ça, bien sûr, je comprends. Mais c'est un vrai problème. Mais le problème, il est moins dans les prédations, peut-être un peu dans les prédations systématiques de Netflix, mais il est aussi dans la timidité et le fait qu'on n'ait pas réussi à installer d'autres contre-pouvoirs ou d'autres possibilités de faire des choix alternatifs. Cela dit, Netflix maintenant paye des droits d'auteur en France. Est-ce que le problème, c'est pas Netflix ? Un film pour Netflix ? Comment ? Vous feriez-vous un film pour Netflix ? Si j'avais pas de possibilité de le faire nulle part ailleurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, oui, moi j'ai proposé un sujet à Amazon et à Netflix. Amazon, ils admettent la charge. Je pense que à partir d'un moment, on va arriver à négocier avec Netflix que pour certains films, ils auront intérêt à ce qu'ils sortent aussi en salle. Il faudra que les positions qui sont arc-boutées de parois, que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Il ne faut pas que Netflix soit aussi impérialiste sur de lui. Regardez, ils se sont, par la force des choses, ils se sont un petit peu ouverts au cinéma de patrimoine. Avant, pas du tout. Puis tout d'un coup, ils prennent des Truffaut, ils prennent des films comme ça. Il y a tout d'un coup un progrès. Il faut aller dans la voie du progrès, espérer ouvrir davantage et espérer aussi négocier. Moi, normalement, il y a un certain type de film qui pourrait bénéficier, si on arrivait à changer un peu la législation, d'avoir une sortie en salle qui soit intéressante et une sortie sur Netflix. Et que ça ne... Mais pour ça, il faut arriver à négocier de manière un peu adulte. Ouais, ce que vous dites, Bertrand Tavernier, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, les deux peuvent bénéficier au cinéma, au sens large. Le refus de la salle absolue, le refus de se plier à des règlements quand même qui ont permis au cinéma français d'exister, est un peu dommageable de la part du film, et le fait que aussi parfois les exploitants en France sont arc-boutés sur des règles dont certaines maintenant ne tiennent plus la route. Certaines doivent y avoir une évolution. Une évolution. Christine, pardon. Gilles. Alors, Christine, je vous invite ce soir, ce mercredi, le mercredi 18, le mercredi 25, de regarder sur une chaîne du groupe Canal qui s'appelle Ciné plus Émotion, un documentaire, une émission exceptionnelle qui s'appelle Blier le comte Tavernier, trois vies de cinéma. Vous avez ces trois réalisateurs qui ont été réunis grâce à Chat Chinooga. Alors, le principe est très simple, il donne une expression d'un réalisateur qui a dit une chose, ça va d'Orson Welles en passant par Maurice Pialat, en passant par des grands réalisateurs. Charlie Chaplin, et entre eux, ils la commentent, et entre eux, ils se racontent. Quand des réalisateurs rencontrent un autre réalisateur, et bien ils se racontent des histoires de réalisateurs. Écoutez la bande-annonce, c'est quelque chose de très magique. Le conte. Faire un film est une affaire compliquée. Oh, Blié. Quand un film est réussi, c'est un petit miracle. Tavernier. Moi, j'irai même plus loin, c'est qu'à un moment, on oublie les moments pénibles. La caméra, là, au 35. Voilà, ça, c'est un clap. Trois grandes gueules du cinéma réunies pour la première fois. Tous les trois, on est passionnés par des acteurs. Et l'acteur est fondamental. Les films sont des trains qui foncent dans la nuit. Le film s'empare de toi. C'est quand même le plus beau métier du monde. Tavernier, Blié. Le conte, il se livre et il se lâche dans un dialogue inédit en trois volets. Trois vies de cinéma en novembre sur Ciné Plus Émotion.
Bertrand Tavernier, alors quand on vous écoute tous les trois converser sur ces vies de cinéma qui vous animent, je voulais savoir quand vous avez tourné, quand vous avez conversé, qu'est-ce que vous avez ressenti? On a le sentiment que vous étiez quand même de grands enfants à ce moment-là. Oui, beaucoup de plaisir. D'abord, ouais. Beaucoup de plaisir à retrouver des gens que j'aime énormément. Je les aime comme réalisateurs, je les aime aussi comme être humain, même si on se voit pas assez, plus avec Patrice Lecomte, que j'ai croisé plusieurs fois ces derniers temps, moins avec Blier, mais même si on se voit pas, c'est comme si on se voyait, on reste quand même assez proches, et puis c'était un plaisir de les écouter, d'écouter les moments de me parler des moments difficiles qu'ils avaient traversés, de doutes, du plaisir qu'on a. Parce que souvent, on se présente toujours parfois un peu trop en état de souffrance. Vous savez, un film, c'est horriblement difficile à faire. Mais c'est aussi passionnant, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, c'est un combat. C'est un combat et que parfois, il faut l'arracher. Et l'arracher au prix de sa santé, au prix de beaucoup, mais en même temps, c'est aussi, moi, j'aurais jamais rien pu faire d'autre, j'ai eu de tel bonheur, moi, dans ma vie de metteur en scène. Mais vous avez eu aussi quelques épreuves à vous raconter, et puisqu'on est une émission média, comment aujourd'hui les télévisions ont la main mise sur le financement du cinéma, et vous racontez tous les trois d'ailleurs que en fait le plus dur presque dans un film, c'est convaincre la chaîne de télé de vous donner l'argent en fait. C'est devenu difficile, parce que surtout que ce sont des gens, avant, quand ça avait été créé, les premières chaînes, on avait un contact très précis. On avait un contact avec Pierre Desgros, mes quotidiens. Après, plus ça a été, plus les gens se sont barricadés. Là, au début, avec des gens comme René Bonnel et Desgros, ça allait tout. Et c'est devenu beaucoup plus difficile. Après, il y a eu des règles de comités. Les gens sont entourés de comités. Ah, et oui. Les comités, c'est des gens qui prennent des décisions qui sont basées uniquement souvent sur des chiffres, sur les recettes des films, sur les là. Et puis, on ne peut pas discuter avec eux. Or, un film, ça se fait aussi, vous savez, ça se fait aussi sur un coup de cœur d'un producteur, d'un financier qui sent chez le metteur en scène que ce sujet, il y a quelque chose dans ce sujet qui va peut-être réussir. Ça peut pas se faire de manière froide comme un produit justement totalement industriel et préfabriqué. Il y a quelque chose de formidable. Pour nos auditeurs, Patrice Lecomte qui raconte qu'il est face à France 2, à quelqu'un qui décide pour France Télévisions, et c'est pour le film Ridicule, et le responsable lui dit: bon, est-ce que vous allez me faire le million avec ce film? Ah, Patrice Lecomte dit: bah non, je peux pas vous le garantir et tout ça. Ils l'ont pas financé. Ils n'ont pas financé Ridicule. C'est quand même incroyable. Bertrand Tavernier, il y a quelque chose aussi de savoureux, c'est quand vous parlez des comédiens entre vous. Oui, moi j'ai une adoration pour les acteurs, les actrices, et ils m'ont permis de faire des films, ils m'ont aidé. Moi c'est Noiret je dois tout à Philippe Noiret. À un moment, ouais. Il m'a non seulement dit oui, alors que son agent de Art Média ne voulait pas qu'il fasse L'Horloger de Saint-Paul. Lui, il a décidé de le faire. Il m'a soutenu pendant près d'un an et demi quand on se faisait renvoyer de toutes les maisons de production et de distribution. Il a toujours été à côté de moi. Attendez, et puis quand je lui ai demandé mais pourquoi il a tenu aussi longtemps, alors qu'à un moment, je n'en aurais pas voulu s'il m'avait lâché après autant de temps. Il m'avait dit: mais j'avais donné ma parole. À ce moment-là, c'est oui. Qu'est-ce que vous pouvez? C'est un seigneur, cet homme, et je lui dois d'avoir pu faire mon premier film, puis après mon second, que la fête commence et tout. Ouais. Moi, j'avais une question avec Christine, qui est une question d'actualité. Vous avez réalisé L627 et vous avez signé une pétition sur le fait. Vous êtes contre cette loi qui peut passer sur le fait de filmer les policiers. Qu'est-ce qui vous choque dans cette loi de ne pas
elle est mal foutue. D'abord, la personne qui pourra m'expliquer légalement qu'est-ce que c'est avec une volonté de nuire. Que c'est utilisé avec une volonté de nuire. Ça, si on arrive à tous les avocats et les magistrats ont dit que c'était dans la loi, elle est tellement mal rédigée que c'est un truc flou et elle va se faire retoquer à cause de choses comme ça. Mais oui, qu'il y a des appels au crime sur les réseaux sociaux, monsieur Tavernier. C'est parce que parfois on montre le visage. Excusez-moi. Avant de faire une loi, il faut engager du personnel. Le groupe, les gens qui sont chargés de repérer les suspects, ils sont en nombre, mais beaucoup trop misérables. L'argent qui est mis là-dedans est absolument très, très en dessous de ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'on ne met pas de personnel, on ne met pas d'argent. Et après, c'est plus facile de faire un nouvel article de loi. Parce que, en effet, dans l'histoire du professeur Paty, le groupe qui repère, l'institution qui repère le contenu, ils sont, je crois, on avait donné le chiffre, il y a un nombre de 1500, je ne sais pas, fonctionnaires, pour 200 000 messages. Oui. Donc ça ne peut pas marcher. Qu'on engage au moins 100 ou 200 personnes de plus, déjà, pour qu'il y ait une violence. Qu'ensuite, les syndicats, l'éducation, Samuel Paty est allé porter plainte seul. Il n'y avait personne de l'éducation nationale à ses côtés. Il n'y avait personne des syndicats. Il n'y avait personne du gouvernement qui a manifesté sa solidarité. Donc c'est plus facile de faire une loi que de reconnaître qu'on a rien foutu. Alors, on va rappeler que ce soir, Bertrand Tavernier, donc sur Ciné Plus Émotion, on vous retrouve en compagnie de d'autres grands réalisateurs, c'est-à-dire Bertrand Blier et Patrice Lecomte, absolument pour Conversation. Trois vies de cinéma, ces regards croisés entre vous, c'est savoureux, je le disais, c'est plein de, on va dire, de découvertes du monde du 7e art, c'est à voir sur Ciné Plus. Et il y a la question du jour, le résultat. Oui. Oui, juste avant, Christine, sachez que évidemment c'est valable, on peut le voir sur MyCanal également. Et puis alors je voulais vous dire, avant de dire au revoir à Bertrand Tavernier, que c'était oui à 15% des gens tentés par le téléphone, 85%, majorité pour l'instant ne sont pas tentés. Ne change pas de téléphone. On peut garder leur téléphone. Twitter. Pour rendre hommage à Bertrand. Ouais. Voilà, exactement. Pour remercier Bertrand Tavernier, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Voilà, pour le remercier, il tenait un petit clin d'œil. Je vais vous faire écouter juste une petite 30 secondes de la Java de la masochiste. C'était une chanson interprétée évidemment dans le film Coup de torchon par Madame Audran. Merci Bertrand Tavernier. Dans sa petite tête, moins que dans le bas de son pantalon. Fila coupé gazon, il est bête comme le dernier wagon d'un train de marchandises. Et question matière grise.